Yeah! Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Hello. Découverte de sentier maintenant. On est au Vélo des Monts, à Vélo des Monts, qui est à Sainte-Anne-des-Monts. Tout nouveau, ça vient d'ouvrir en juin. Avec un Ray Bicycle in the back. Yeah. Chilling hard. Hardly chilling. Yo. Yes. Fait qu'on va commencer par s'échauffer un peu dans la berm, le peanut, qui est comme un demi-lap. Selon le nom, il risque d'avoir des berms. Fait qu'on essaie ça. Yo! Petite découverte ce matin. Oh. Ah, c'est bon, Flo, à date. Oh, oui! Yo! C'est beau! Oh, roller! Wow, Sandy! You! Semi-flat, semi-flat, let's go, gaz au fort! Yeah! Bien, Rabi! Fait que comment t'as trouvé ça? Super belle piste, des beaux petits berms. Moi, je suis pas très bonne dans les virages à plat. C'était plus tough par moment, mais yeah, super fun! Parfait pour s'échauffer, hein? Parfait. C'est nice, ça? Yeah! Bon petit flow! Fait que là, accompagné d'une superbe vue, on va aller dans la Surf and Turf, qui est une trail qui est faite par Kodiak Trailworks. Ils ont aussi fait d'autres trails dans le coin qu'on a vraiment apprécié. Fait que, let's go, on drop in. Yeah. Oh yeah! Ouh, c'est une réussite! Fait que là, après le début en tronc commun surf and turf, c'était bien agréable. Ça descend pas mal. Il y a une partie noire, en fait. Là, on arrive à la séparation surf et turf. Surf, losange noir, flow. Turf, ben terre, terre et mer. À ce qu'on voit, ça a l'air plus un peu une trail naturelle, puis elle est carrée bleue. Rémi, qui s'enligne dans la turf. Et ici, on s'en va dans la surf. Petit hip. Berm, berm. Yes! Oh, j'aime ça, ça! Beau petit gap! Step up, là, you are! Ah. Wouh! Allô, Rémi! Oh, yeah! Oh, c'est un beau jeu, ça! Deep! Deep! OK, ça va un peu vite! De retour dans le tronc commun. Speed! Ok, we shot. Fait que là, c'était quoi la pancarte que j'ai vue? Ça a l'air de quoi la turf à date? C'est une petite single track, pas trop d'obstacles. Ça va vite. Ouais, comme le bout qu'on vient de faire qui était ensemble. Genre. Ouais, ça ressemble à ça. Okay. Surf it is. Beau berm, ça! Fait que ça va vite! Oh, nice! Oh. Ok, intéressant hip, ça! Calisse, c'est plus beau! Nice de sacré! Ok, ouais! C'est des énormes shapes. Ah ouais, il y a des gros burns, c'était vraiment nice. Ouais, les burns étaient sick là-dedans. Mais les shapes étaient surprenantes. Ouais, ben des shapes genre plus hautes que nos têtes, pas mal. Puis des landings à 90 degrés. Ouais. Fait que c'est sûr qu'en première lecture, genre le truc que tu veux pas trop, trop pousser là. Yeah, fait que Rabi, elle vient d'aller inspecter la 5 à 7 pendant que moi je montais par la piste de montée. Puis c'est quoi les constats? La fin, c'est un must. Il y a juste un, puis un très gros jump à la fin aussi.
Ouais, fait qu'on va aller regarder ça. Puis sinon, ben, comme notre temps, notre énergie sont comptés, puis on a eu des bons commentaires de la Bleue Nuit, on va aller regarder ça. Mais juste avant, on va tester aussi la Kung Fu Panda, qui est une noire. Fait qu'on va aller découvrir ça. Puis après ça, Bleue Nuit into la fin de la 5 à 7. Puis on va aller voir le gros jump. Le gros jump. Wow. Kung Fu Panda découverte. Beau petit barbe au début. Oh yeah! Oh, maman, il zigue un peu. Gosh. Nice berm! Oh, il est passé dans le berm! Yeah. Petit job! Nice! Yeah! Nice! On arrive au fameux drop. Je vais ralentir au drop. Nice! Ouh, ça va vite dans un style ici. C'est pas plus loin. C'est nice, c'est belle trail. Super mix de flow avec une coupe de bonnes racines, de bonne compression, de zones de freinage un peu agressif. Fait que ça m'a vraiment mis dedans. C'est très sick. Reb, elle arrivait vraiment pas si vite, puis elle l'a quand même presque eu. Fait que là, c'est le temps de l'envoyer, je pense. Là, c'était pop. Quand même pas petit. C'est un bon jump. Ça fait très bien, le speed est bon en arrivant. Puis la zone de dégagement en haut est super belle. Wow! Un petit case. Ça va vite en arrivant dessus? Oui. Fait que là, on y va. Let's go, Rebby! Let's go, Rebby! Fait que là, pour ces efforts-là, allez donner un follow sur Instagram @RebbyCycle, Rebby.cycle. Let's go! Yo! Là, il y avait un mini case, mais c'était si près. Fait que là, Rebby veut retourner le faire. Good job. On va réessayer. Fier de toi. Let's go. Level up. Yeah. Aussi, on prend le speed, on pose un kick. Je peux aller passer. Oh. Ok, un petit peu moins vite que Simon ici. Ah, oh, dans les pics-pics. Wow! Les filles passent à côté du pont avec tous ces pics-pics. C'est nice. Ouais. Au spot comme ça, on rencontre d'autres passionnés qui poussent le sport au Québec. Fait qu'on a Marie, fille de bois. Salut! Fait que c'est où qu'on peut voir tes trucs? Fée de bois, ça se passe où? Cette semaine, je suis pas mal en visite en Gaspésie, puis on fait le tour, Rimouski, Montcommis, etc. Puis on va aller tout mettre ça sur notre chaîne YouTube. Ah, ben that's it. Fait qu'allez suivre ça. YouTube, Fée de bois, Instagram, Fée de bois, Facebook, partout. Allez liker ça d'un bord à l'autre. Let's go. Marie, dans la Bleue Nuit, première lecture pour tout le monde. Yeah! Ça rentre au poste par là. Oh, gros berm. Oh, il y a la beau ce berm là. Yes. Oh, petit wall ride. Nice. Ça arrive carré. Yeah. Oh. You. Hey. Yeah.
Yeah! Hey, nice! Ouais. J'allais un peu trop vite, je pense. Ouais, j'essaie de vous suivre, vous êtes des machines de guerre. Yo, ça va? C'est nice? Ouais, c'était vraiment hot. J'ai trippé. Ouais, belle petite langue. Approuvé par Rabicycle. Approuvé! Ouais, fait que vraiment un gros coup de cœur pour la bleue nuit. Puis là, je suis revenu un peu dedans. Parce que juste ici, il y a les berms par la droite qu'on a pris tantôt. Mais là, il y a un kicker qui jump jusque dans l'autre berm. C'est vraiment fait pour ça. Fait que on va tester ça. Fait que là, l'enjeu, c'est la précision. Fait qu'on retourne à la fin de la 5 à 7 avec un petit peu de bushwhacking, mais c'est une piste de ski, là. Fait qu'on n'est pas en train de détruire la biodiversité, là. On va avoir des BR là-dedans et de la neige artificielle. Fait que... En mode découverte de la 5 à 7, il y a des petits trucs funky, fait qu'on y va mollo. Ok, c'est flat turn là. Wow! Wow, c'est tight! Là, ben, il y a un autre step up ici, comme on a vu, puis Rabi, elle l'apprécie. Fait que. Elle va l'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Yo! Nice! Fait qu'on vous avait parlé d'un gros jump à la fin de la 5 à 7. Là, on est arrivé. C'est après le step-up que Rabi vient de faire. Fait qu'on peut voir ça ici. C'est un peu style jump de ski. C'est une espèce de take-off là. Un flat. Puis en arrière de ça, t'as comme un énorme... Quand je dis énorme, là, c'est énorme landing, là. C'est genre 10 mètres de vertical, très à pic. Fait clairement qu'ici, la réponse, c'était mieux d'aller plus vite que trop court, n'est-ce pas? Donc, t'as 17 pieds de taille 8, femme. Bon, 17 pieds à peu près de longueur. Puis là, avec ça, t'ajoutes le kicker qui est quand même un pied sur le dessus. Mettons un 15 à, entre 15 et 20 pieds. Yeah. Fait que, let's go! Vitesse. Yeah, fait que pour ce jump-là, la vitesse est vraiment bien calculée. Si les deux step down avant se clairent, c'est vraiment possible de juste se laisser aller dans le landing. Le landing est super à pic, c'est très très cool comme feature, assez funky mais très bien faite. Yeah, Reb! Wouh! Fait que vous avez manqué, mais il venait de le faire. Moi, j'ai oublié de filmer. Lol. As-tu aimé ça, vélo démon? Très nice. Ouais, c'est cool. Une ou deux pistes qu'on a pas essayé. Mais... Beaucoup de plaisir. Alright, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Level Up MTB. On est aussi une école de vélo de montagne. Fait que si vous voulez apprendre à développer vos skills puis être plus à l'aise, plus confortable, découvrir encore plus de trails, levelupmtb.com. Fait que c'est apprécié de vous lire en commentaire aussi. Alright, à plus.